Léon Marchand, ce joli pactole qu'il va toucher grâce à ses médailles olympiques. Il est l'une des stars de ces Jeux olympiques de Paris 2024. À seulement 22 ans, Léon Marchand a remporté 4 médailles d'or aux 400 mètres 4 nages. Aux 200 mètres papillon, aux 200 mètres brasse et aux 200 mètres 4 nages. Puis c'est par équipe, que le sportif a pu ramener une nouvelle médaille, cette fois-ci en bronze. Un parcours sans faute pour le natif de Toulouse, qui a fait ses armes aux États-Unis. Avec l'entraîneur de Michael Phelps. Mais au fait, combien va-t-il toucher en prime grâce à toutes ces médailles? Selon le journal toulousain, Léon Marchand devrait toucher pas moins de 340 000 euros. En effet, à chaque médaille d'or, un sportif français reçoit la somme de 80 000 euros. Pour l'argent, il faut compter 40 000 et pour le bronze, 20 000 euros. Léon Marchand va devoir déclarer la somme reçue au jeu aux impôts. Une somme qui est toutefois imposable. En effet, les athlètes français se doivent de déclarer au fisc l'argent qu'ils auront touché lors des Jeux. Un scandale selon David Douillet qui déplore cette fiscalité chez les sportifs. Si est-il vrai que ça peut paraître beaucoup d'argent au regard de gens qui ont des petits salaires, qui touchent le SMIC. Mais les primes sont ridicules déjà par rapport à l'investissement. Pour certains athlètes, si est-il de l'argent de poche. Et pour d'autres, dans des petits sports, si est-il immense. Fiscaliser ça? Je trouve que si est-il une honte, a-t-il lancé sur RMC. Face à la polémique, Bruno Le Maire, ministre de l'économie démissionnaire, a tenté de calmer le jeu. Je proposerai qu'elle soit défiscalisée dans le prochain budget 2025, a-t-il annoncé au Figaro. Ce n'est pas à moi d'en décider, je suis chargé des affaires courantes, mais je préparerai des dispositifs pour que ces primes le soient dans le budget 2025. Lorsqu'on a des résultats aussi exceptionnels, des médailles qui sont exceptionnelles, qui sont la récompense d'années de travail, d'années d'efforts et qui sont la fierté française. Il ne faut pas que ces primes soient fiscalisées. Voilà une annonce qui devrait faire plaisir à tous les sportifs. En effet, pour certains une médaille d'or aux Jeux et les 80 000 euros remportés permettent de vivre confortablement plusieurs mois.